Mes anciens, les arrières, mes aïeux, la mère de ma grand-mère mettait les enfants au monde sur la terre. La femme, pour accoucher, se couchait sur le côté et l'enfant qui sortait touchait la terre. C'est pour ça qu'on dit nous sommes le peuple de la terre, nous sommes de la terre, nés de la terre. Oui. Au départ, on est comme plusieurs jeunes qui étaient intéressés par les enjeux autochtones. On n'est pas des spécialistes dans les enjeux autochtones. T'sais, dans le fond, ce qui serait mieux, c'est genre de dire, ben voici un avocat qui peut vous défendre. Mais t'sais, nous, en tant que tels, on se dit, mais c'est un peu plate qu'on puisse rien faire. Puis finalement, on s'est rendu compte qu'il y a vraiment un manque de compréhension de la part des non-autochtones envers les autochtones. Donc on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'emprunterait pas l'idée de la bibliothèque vivante? Stop the Violence, qui est au Danemark, je pense que c'était début des années 2000, si je ne me trompe pas, qui ont créé ce mouvement-là de Living Library, Human Library. Quelque part en France, ils ont fait l'expérience de la bibliothèque vivante, puis c'est vraiment bien documenté. Ils ont fait une espèce de guide pour vraiment développer une bibliothèque vivante. On est parti de ça, puis on l'a adapté à notre sauce. Je crois que c'est ça, bien sûr, donc, au début, c'est ça, ils arrivent, on leur explique un peu la bibliothèque vivante, on leur présente les règles, on leur présente le catalogue. Et on a aussi une grille sur laquelle on a des plages horaires. Donc, c'est des emprunts de 20 minutes. C'est très libre à nous, là. Ils vont se dire des fois, on pourrait pousser à 30 minutes parce que finalement, ça finit toujours par être 30 minutes. Mais quand tu dis à quelqu'un dans la rue, ben voulez-vous avoir une conversation de 30 minutes? 30 minutes, c'est beaucoup pour eux, là. Mais une fois qu'ils sont dans l'activité, ils veulent comme rester 45 minutes, une heure des fois. Fait que, t'sais, on se dit, OK, 20 minutes, c'est stratégique, mais là, on se donne une petite pause de 10 minutes entre les deux, mais généralement, il n'y a pas de pause. Fait que ça fait comme 30 minutes à peu près. Quand c'est l'heure, on sonne une petite clochette, puis là, ou sinon, on fait juste le tour, puis on présente le lecteur au livre, puis là, ils peuvent commencer la conversation. À peu près comme 2 minutes avant la fin, on leur fait signe qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Puis après ça, ben, les gens sont invités à remplir une fiche d'évaluation pour toujours nous améliorer. Puis après ça, ben, s'ils font d'autres emprunts, on le redirige vers d'autres livres. Et on invite les gens à lire avant d'emprunter des livres. Mais généralement, les gens qui viennent aux bibliothèques vivantes, c'est des gens qui ont quand même une ouverture d'esprit, qui sont respectueux. Fait que, ici, c'est vraiment pour essayer de leur dire, ben, de leur expliquer en fait que, par exemple, après la lecture, le livre doit être mis dans l'état psychologique et physique dans lequel il a été emprunté. Fait que c'est vraiment, tu sais, le livre a aussi le droit de dire non, j'ai pas le goût de répondre à cette question-là. Faut que le lecteur soit conscient que c'est qu'il y a des choses, il y a des endroits où le livre va pas le mettre en goût d'aller. Puis donc, c'est vraiment juste pour s'assurer que tout le monde est là avec une esprit d'ouverture. Puis ben aussi, les livres avant, tu sais, on les recrute. Puis on a souvent, tu sais, on a comme une liste qu'on avait brainstormé pour des thèmes sur lesquels on serait intéressé. Fait que là, on essaye de trouver des personnes contacts. Puis généralement, on cherche des livres qui sont pas nécessairement des gens qui donnent beaucoup de conférences, des gens qui sont extravertis. Parce que c'est pas nécessairement eux qui vont faire les meilleurs livres. Parce que nous, c'est vraiment l'échange qu'on veut avoir. Donc, c'est pas juste un livre qui parle, mais un livre qui écoute aussi, qui est capable aussi d'être ouvert au fait que le lecteur a peut-être des choses aussi à lui apprendre. C'est vraiment comme dans un esprit de partage. Le catalogue, c'était aussi un peu qu'est-ce que tu as en arrière d'un livre, le résumé, bien, de le faire dans un catalogue, d'avoir des titres accrocheurs, puis de vraiment miser sur des thèmes qui vont toucher des tabous ou des préjugés. Donc, parce que le but de la bibliothèque vivante, c'est vraiment de démanteler les préjugés, de rapprocher les gens. Donc, des gens qui, finalement, se rencontreraient jamais dans la rue. Nous sommes circulaires. Nous ne sommes pas linéaires. Parce qu'on a regardé la Terre. On a vu que sur la Terre, tout était sec. D'abord, notre naissance. On devient enfant. Adolescent, on grandit, on est adulte, on est vieillard, on meurt et ça continue. On regarde, les arbres sont ronds, l'oiseau qui vole pointe et quand il descend, il cercle. Alors on a observé ça et pour nous, la terre est un cercle. Et ma mère faisait son jardin en cercle, partout comme ça. Bon, un monsieur qui était venu
Il dit, madame, tu plantes un poteau là, tu avec une grande corde, tu plantes un poteau là, puis tu suis la ligne, puis tu sèmes. Nous, c'est pas ça. Non, on n'est pas linéaire. On fait notre jardin en cercle, il va rester en cercle. La chaleur humaine, je peux dire la globalité de l'expérience. Si on lit un livre, on a les faits, tout ouais. ça, mais Mme Simon, elle parle de son expérience, de son passé. On sent son plaisir, on sent ses émotions dans ce qu'elle dit. Ouais. C'est très. Ça nous fait connaître, nous, les Autochtones. On connaît l'autre et l'autre nous connaît. Ça fait que moi, c'est pour ça que je veux être un livre ouvert. Ça serait comme un projet à part. Ce serait pas nécessairement comme filmer une bibliothèque vivante, mais d'avoir nos livres qui donnent des entrevues. Parce que quand tu as une caméra, des fois, les lecteurs, même les livres, sont un peu intimidés. Fait que la qualité de l'échange est peut-être pas nécessairement là. Puis c'est ça qui est important dans la bibliothèque vivante. Documenter le savoir des livres, oui, mais pas nécessairement dans un contexte de bibliothèque vivante.